Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez un peu ici d'un nouveau cadre. Hein? C'est le farfar, on se promène, on essaie de prendre les docs. On est chez une diva, chez quelqu'un qui fait parler d'elle un peu partout. C'est comme ça. Hein? Vous allez voir un peu de qui il s'agit. Pas le farfar, il faut innover. Hein? Oui, mais mesdames et messieurs. Ah, ok, regardez un peu qui vient. Regardez un peu qui vient. Si Biba Wade est la flafie, Jimmy Sawade est la flafombaye. Mesdames et messieurs, c'est le farfar. Afou Keita, la diva, la tentatrice. On revient tout à l'heure. Let's go. Alors, maman. Bonjour, mes respects. Bonjour à vous. Bonjour à toutes les équipes. Merci beaucoup et bonjour à l'émission Fafa. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir et vraiment merci d'avoir pris de ton temps. On sait que tu as un emploi du temps qui est très chargé. Très chargé. Voilà, mais tu as pris au moins un laps de temps pour nous recevoir. Merci beaucoup. Alors, l'émission Fafa, tu sais déjà un peu comment ça se passe. D'accord, donc moi je voulais d'abord te poser la première question pour les personnes qui n'ont pas encore entendu parler de toi, mais qui ont entendu parler de toi, mais qui ne te connaissent pas réellement. Voilà, je sais que tu es beaucoup connu dans le monde, mais on finit pas d'être connu. Il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas encore Afou Keita. Donc, c'est qui Afou Keita? Qui est Afou Keita en réalité? Afou Keita, d'abord en état civil, c'est Asta Keita. Asta Keita. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là. Je m'appelle Afou Keita, artiste chanteuse mandingue. D'accord. Voilà. D'accord, mais quand est-ce que tu as commencé? Tu as commencé à faire la musique réellement quand? C'est vrai que vous, souvent, vous commencez dès le bas âge, dès le départ déjà, mais en rentrant en studio, sortir un premier album et tout, ça a commencé quand exactement? Bon, d'abord, j'ai commencé avec mes tantes. D'accord. Près de mes tantes, parce que ma maman, elle a vite voyagé pendant l'Europe. D'accord. Donc, j'étais là avec mes tantes. Donc, j'ai commencé la musique auprès de mes tantes. D'accord. Père à son âme. N'y aller. La Tanti Minata, Tanti Nina Platé, c'est les trois sœurs de ma maman. Et il avait deux frères aussi, les jumeaux, qui jouaient en un mot chez nous. C'est une question de famille. C'est une question de famille. En même temps, famille Jackson. Ouais. Nous, on ne va pas à l'école de la musique pour apprendre. On est à ça. D'accord. Mais moi, je ne suis pas griotte. Ah bon? Ni griot, ni griotte. Information importante. Mon père n'est pas griot, c'est ma mère qui est griotte. D'accord. Elle est criatée, moi je suis Keita. Ah. En temps normal, c'est elle qui doit faire mon ange. D'accord, c'est ça. Donc voilà comment c'est venu. Et lorsque j'ai perdu ma tante, première tante, deuxième tante, il dit, attends, Afou, il est temps maintenant de prendre les choses au sérieux. Parce que là, ceux de mes
avec ceux que j'ai travaillés, oui, oui, ils ne sont plus là. D'accord. Donc c'est à moi maintenant de prendre le flambeau. Le flambeau. C'est ça. Voilà comment c'est parti en 2002. Mm-hmm, d'accord. Voilà comment ça a commencé en fait. J'ai commencé ma carrière solo en 2002. D'accord. Feu Marcelin Yassé, c'est lui qui était mon producteur. Et à son nom. D'accord. Et j'ai eu tellement... J'ai l'habitude de dire souvent que je suis la plus vilaine de les artistes mandingues, mais la plus chanceuse. Les gens pensent que je m'amuse. Je prends ça pour rigoler, non? Il faut nous expliquer un peu. Lorsque mon album est sorti, qui ne connaissait personne, mais l'album est sorti, en moins de 3 semaines, je suis partie. Mon premier voyage, c'était à Londres. C'est pas chance. C'est la chance. Moi, je dis grâce à Dieu. Donc, à partir du moment que je suis quittée là-bas, je suis venue. Tu as pris confiance en toi? J'ai pris encore plus confiance en moi. J'ai dit, mais tiens, si les gens de Londres, je ne suis même pas encore montée dans l'avion, non seulement je ne suis pas partie à l'école, j'ai fait école coranique. C'est pourquoi mon enfant de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Tout ce qui m'arrive, je dis Dieu. Dieu avant tout. D'accord. Donc, dès lors que je suis quittée à, comment on appelle ça, à Londres, j'ai dit, bon, si tu as vu que je suis montée dans l'avion et que je suis partie chez les Blancs, là, ça que travail que je suis en train de faire là, c'est important, c'est ça qui est pour moi. Donc, à partir de ça, j'ai mis le train en marche. Alors, moi j'avais vu des vidéos de toi, sinon on va dire une vidéo de toi, où tu étais mécontente du fait que voilà, les femmes d'Adjamé, les commerçantes, les mamans commerçantes d'Adjamé ont été déguerpies et tu étais vraiment fâchée par rapport à ça, ça t'a touché, ça t'a fait mal. Le magasin était dedans. Voilà, et tu as fait une vidéo et tout ça. Voilà. Qu'en est-il? Parce que les gens étaient étonnés de voir Afou Keita en train de clasher, comme on peut dire dans le jargon, en train de clasher les autorités pour dire, mais vous êtes méchants, vous n'avez pas pensé au moment et tout ça. Je n'ai jamais, comment on appelle, clasher qui que ce soit. D'accord. D'abord, je me suis adressé à les Libanais, je me rappelle, c'est moi que j'ai fait. Mais bien sûr. Je n'ai pas clashé les autorités. Rien. Mais tu as dit que on déguerpit les femmes pour installer les Libanais parce que les Libanais ont l'argent. Non, les Libanais je leur ai dit tout simplement. Je leur ai dit tout simplement, les Libanais ne sont pas chez eux. Chez nous, la terre nous appartient. On peut s'arrêter là. Ah bon, on appelle ça. Mais pas que je rentre dans les détails. Parce que c'est que le papa, nous on est affairés, c'est comme ça. Donc elle a dit en fait que bon, les Libanais sont pas chez eux et tout ça, mais tu trouves pas que en disant que les Libanais sont pas chez eux et tout ça, tu trouves pas que c'est un peu moi-même qui te parle maintenant là, moi-même là qui dit que non, je suis chez moi là. Je suis pas chez moi encore. J'ai raison. On va parler de ça tout à l'heure. Non, je suis pas chez moi. Ouais, je sens que quand tu parles là, ça te rattrape après. Oui. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler. Quand tu regardes, quand tu vas sur ma page Facebook, voilà mon assistante, Océane, à chaque fois que j'ai fini de faire mes vidéos, j'efface. Parce que 20 ans après, 100 ans après... Les gens peuvent récupérer ça pour... Non, ça peut te rattraper même. Ça peut te rattraper. Moi, j'ai insulté les Libanais. Ça m'a rattrapé aujourd'hui. Parce qu'il a dit que quoi? Et les Libanais ne sont pas chez eux. Mais aujourd'hui, là, moi, je suis malienne. Non, ça, on va parler de ça tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai porté basé. On va parler de ça. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Voilà, elles ont été déguerpies. Bon, après, est-ce qu'on les a laissées revenir? Est-ce qu'on les a logées ailleurs? Parce que parmi ton magasin était dedans. Donc, finalement, comment vous agirez? Comment vous agirez? Comment après? Moi, je n'ai pas eu mon magasin. Je n'ai pas eu mon magasin. Je me suis dit que quoi? Il y a un Dieu pour tout le monde. C'est la force qui gagne. Tout. Si tu dis que tu es une croyante,
Mais tu es croyante, que tu crois en ton Dieu. Tout ce qui t'arrive, tu dois laisser dans la main de Dieu. Je pense bien. D'accord. Je pense bien. Donc, tu n'as plus fait d'histoire, tout ça. Tu as préféré laisser tomber. Personne s'est approché de moi pour me dire ah, Afou, comment ça s'est passé? Est-ce que pour. Mais quand on vous a. Bon, ça c'est. On va clore le débat avec cette question-là. Quand on vous a déguépi sur ton magasin, on faisait partie. Quand on vous a déguépi et tout, qu'est-ce qu'on vous a dit lorsqu'on tentait vous déguépir? Ils ont dit quoi aux dames, aux mamans? On leur a dit en quoi? En tout cas, j'ai attendu des trucs là-bas, mais ça m'a trouvé en voyage. J'étais parti en Australie. D'accord. J'étais pas là. D'accord. C'est que je voyage beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, tu sais pas qu'est-ce qui a été dit? Si je n'ai même pas cherché à savoir qu'est-ce qui a été dit là-bas. Voilà. Je n'ai pas cherché à savoir. D'accord. D'accord. Alors, Afou Keïta, lorsqu'elle a un concert, lorsqu'elle a un concert, elle doit donner un concert devant des milliers de personnes. Dans quel état d'esprit elle se retrouve dans quel état d'esprit? Comment elle prend son inspiration? Comment elle se prépare pour venir chanter devant des milliers de personnes? Parce que tes prestations là, quand tu finis, moi-même j'étais vu en prestation à Korogo l'année passée, j'étais là. Hein, voilà, tu étais sapé en américaine là, tout ça là. Cette fois-ci là, tu as même mis le bazin et les pagnes de côté. Tu étais en stétoise avec les baskets, tout ça. Mais tu as tué le point. Tu vois, donc quand tu dois faire un concert, comment tu te prépares? Mais tout à l'heure, je vous ai dit que chez nous, étant donné qu'on est Fanny Jackson, on n'est pas assez stressé, on n'est pas à se lamenter, on n'est pas assez préparé. Lorsque tu vois la foule, et ça dépend, c'est ce que, bon, ça va choquer un peu des gens, mais comme on dit, qu'il faut plaire, il faut choquer. Pour plaire. Pour plaire. Si tu as remarqué, si tu es rentré sur YouTube, tu as vu mon concert en 2017, c'est moi-même j'ai conduit ma voiture. J'avais des chauffeurs, elle s'est conduite, c'est mon assistante. J'avais mes deux managers, j'avais mon encadreur. Tout le monde était là, tout le staff presque, puisque le palais était comme. Donc c'est moi-même, tout le monde entendait. Si tu as remarqué, c'est moi-même, j'ai pris mon, mon volant. Et puis je suis partie, pour montrer qu'il n'y a rien. Yari, la chanson là, on force pas. Mais à propos d'argent, on dit que Afou Keïta, voilà, parce que souvent dans des cérémonies mandingues, voilà, les gens travaillent les 1000 francs, tout ça. Afou Keïta prend pas 1000 francs, prend pas 2000. Si c'est pas 5000, c'est pas 10000, soit 5000 même, c'est un peu bizarre. Ah, mais si c'est pas 10000. Tu es parti, tu es descendu. Bon. Non. Il y a d'autres même. Non, je veux dire les travaillements là. Non, si non, il y a d'autres même qui disent que si c'est pas 500 000, Afou Keïta prend pas. 1000 francs, c'est pas l'argent. Va à la gare de Beaumarchais Gourou. Et puis va prendre 100 francs des femmes Gourou. De toute façon, ils vont te battre là. C'est dans ça que tu vas savoir que 100 francs là, c'est important. Quelqu'un qui te donne 500 francs aujourd'hui là, c'est ce qu'il a. Demain là, s'il a des millions, il va te donner. Bien sûr. Ce que tu n'es pas là, c'est ce que moi j'ai toujours dit à mes jeunes frères et à mes jeunes chanteuses. Nos générations et puis les générations de nos mamans là, c'est pas la même chose. Pour nous, c'est bien encore. On nous donne les 50 000, 100 000. Millions, tout ça. Faut dire. Bon. Faut dire. Millions, oui. Faut dire. Oui, millions, si je me permets, millions. Mais dans les temps là, c'était combien? 500, 200. Quelqu'un qui va se lever comme ça là, pour donner 10 000 francs là, on peut les compter à Abidjan ici en ce moment. Mais c'est ce que moi je dis à mes jeunes frères, les nouvelles générations qui viennent derrière nous. Aujourd'hui, chacun n'est qu'à main bat la terre.
Quand je dis bas la terre, là, ça dit quelqu'un qui a pacoté aujourd'hui. Et puis il a mis ça sur son cou pour te donner. La même personne là, demain, s'il a or là, il va arriver sur son cou pour te donner. La personne qui te donne 1000 francs aujourd'hui, ce que tu as là, c'est ce que tu donnes à une brioche. Ce que tu n'es pas, tu ne peux pas donner. Tout de suite, là, quand je suis sorti là, mes griottes là, ils ont chanté pour moi. Mm-hmm. Vous étiez là. Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Mm-hmm. Ils ont chanté pour moi. Mais tout de suite, quand il est fini là, l'autre, je vais lui donner aussi. Ce n'est pas les millions, ce n'est pas les 50 000, ce n'est pas les 25 000 francs, je vais les donner. Ce que j'ai, c'est ce que je donne. Pareil pour moi aussi. Ah, sinon, tu c'est pas ce que c'est dit, hein. Ah, on dit à Fouquet, souvent son cachet bon. Même là. Tu dis à Fouquet, il t'a bien chanté. Je n'ai pas envie de dire mon cachet devant oui, bien une sûr. Antenne. Ça c'est normal, ça c'est normal. Je n'ai pas envie de dire mon cachet, mais je ne le dirai même pas même. Bien sûr. Mais le problème c'est quoi? Ça que Afoukeita, quand on dit Afoukeita est pris à 500, 600, 700, 1 million, je suis étonné souvent. Ah bon? Pas plus que 3 jours, il y a une dame qui est venue ici, voilà, au CERN. Il y a une dame qui est venue ici, elle avait peur de rentrer. Les gars sont venus me dire qu'il y a deux dames qui sont dans la voiture. Je vais te raconter. Elle dit, mais est-ce qu'il y a rendez-vous? Ils disent que non, ils n'ont pas pris rendez-vous. Comme c'est quelque chose de chap-chap, on va appeler comme ça, puisque l'émission même bien c'est chap-chap. Oui, l'émission c'est fa-fa, tout ça c'est la voilà, même chose. C'est fa-fa. Ils sont venus me voir. Ils disent, ok, là, c'est les rentrées. J'ai prié. J'avais déjà pris Abyssion, je partais prier. Non, j'ai dit à Océan, donne de l'eau à les gens, je vais prier vite fait et puis je vais les recevoir. Quand ils sont venus, on a parlé, les cérémonies, je crois, c'est le dimanche. Quand j'ai dit mon cachet, l'autre là, elle a attrapé sa tête d'abord. Elle a pris son téléphone. Anjoula, elle a dit à quelqu'un au téléphone qu'on amène un serré, ça veut dire qu'on est en train de se fatiguer. Et puis elle a dit une autre phrase encore, Anjoula, qu'on s'est bandé, ça dit demain, là, chez Dieu, là, chacun va laisser expliquer. J'ai dit mon cachet. Elle me dit c'est tout. Elle dit c'est tout. Allez. J'ai fait quoi encore? C'est pas ça. C'est moi-même là, c'est pas pour moi. Hein. Ce que tu donnes là, c'est pas pour moi-même. C'est pour les musiciens qui m'accompagnent. C'est que moi-même je trouve dans mon entalakou là. Ouais, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Que ce soit 5 francs, que ce soit 10 000, que ce soit 1 million, c'est pour moi. Je rentre avec. Mais ce que tu es en train de donner là, tu n'as pas dépensé 500 000 à cause de ça. Quand on leur a dit que moi, on me prend à temps. Ok. Comme chaque fois on demande à Dieu, Dieu ne qu'à nous donner l'homme vie. Nous tous, on est ici, nous. Ça va finir par savoir. D'accord. Ouais. D'accord. À ce sujet-là, toi-même, tu as un peu répondu à ma question parce que tu as dit qu'il y a des femmes même qui avaient peur de t'approcher. Et tout. Ton assistante, par exemple, bon, je sais qu'elle. Après, je vais lui poser la question. Elle a fait son fa-fa aussi. Mais Océan. Oui, après, elle a fait son fa-fa. Il faut qu'elle m'explique pourquoi elle est là et puis toi, ton nom est gâté comme ça. Parce que normalement, elle doit travailler à redorer ton image. Parce que les gens qui ne te connaissent pas, quand ils te voient dans la rue, ils ont peur. Ils disent, celle-là, on dit, elle est gonflée. On dit, même si tu lui dis, ah, avant de te donner 500 000, elle refuse même. Tu lui donnes même 10 000, elle veut mais pas. Mais tu vas demander au Océan. Qu'elle est là, bon, ça c'est entre toi, Océan. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi-même là, personne ne peut me maîtriser, à part mon mari. Qu'on salue au passage, le père. Personne. Le salue au passage. J'aime m'amuser, comme tout le monde. Je prends tout à la légère. Parce que je sais que la vie qu'elle a là, on est venu pour une mission. Bien sûr. La vie écoute. Elle est tellement courte. Donc il faut t'amuser. Bien sûr. Peut-être c'est mon amusement là qui va loin un peu souvent. Sinon,
Je vois pas d'autre chose. D'accord. Afou Keita, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Comment tu t'es arrangé pour avoir un tel succès? Comment tu as fait? Parce que il y a certains aussi qui sont sortis en même temps que toi et tout. C'est vrai qu'il y en a aussi qui ont à peu près le même talent que toi, mais comme on dit, personne ne sait pas la même chose. Comment tu as fait pour avoir autant de succès? Tu veux savoir? Oui. Tu veux savoir? Oui. Dans ton émission Fafa, c'est ça? D'accord. Océane est là, mes soeurs sont là, mes grands frères sont là. Vendredi là, il ne faut rien dire. Même moi-même là, quand j'ai fini de prier vers les 5h30, je me couche. Si ce n'est pas 10h30, pour faire mes deux rakats, je ne me les fais pas. Fais tout avec ton caméra ici, il ne faut rien dire à quelqu'un. Tu vas venir trouver ceux qui sont assis ici là pour m'entendre. Ça vaut quelque chose de 40 à 50 personnes pour m'entendre. Dès que je gagne là, j'aime partager. Et c'est ce que Dieu a recommandé dans les cinq courants. La bénédiction des mères, je suis d'accord. Bénédiction des pères, je suis d'accord. C'est grâce à ceux-là même que tu visitais. Mais il y a les gens aussi là, leur bénédiction là. C'est plus pur que pour ta mère et pour ton père. Imagine-toi, tu t'en vas trouver quelqu'un. On l'a refoulé quelque part à l'hôpital. Quand moi je prends ma voiture, je vais au CHU. Comment on appelle ça? Je ne fais pas direct. Même le jour de Lui de destin là. C'est elle qui m'a filmé. Hein. Après, j'ai fait palabre avec elle. Il dit, pourquoi elle me filme? Moi, j'ai l'habitude de faire ça chaque année. La plume est chicotée. Je prends souvent, moi, je prends ma voiture. Je vais au CHU. Il y a des gens qui sont là-bas. Ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Que ce soit CHU de Cocody, CHU de Très-Civil, fréquentement même CHU de Très-Civil. Parce que j'ai ma camarade. Elle, c'est une chanteuse. Elle n'habite pas. Non, elle n'habite pas loin de là, en fait. Là, voilà. Donc, je garde ma voiture là-bas, puisque mon nom est sur la voiture. On n'a pas que les gens voient mon nom. Je porte habit noir, souvent. Je vais trouver, souvent, il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour payer leur ordonnance. Et sans ça aussi, là, ils vont mourir. Bien sûr. Mais il faut payer. Il faut payer. Tu es venu chez moi là. Tu viens de trouver que tu as porté argent gris. Non. Pourquoi tu sens quoi? Non, rien du tout. Je mets pas tout ça. Ma carrière, je mets ça dans la main de Dieu. C'est, je sais pas si je dois dire ma succès ou mon succès. Mon succès. Merci de m'avoir corrigé aussi. Tu es là pour ça. Elle est là pour ça. Elle a un gros salaire, c'est pas pour rien. Donc tu mets ta carrière dans la main de Dieu. D'accord. Je mets ça. Afou Keita ne lave pas sa bouche. Hein? Parce que, hein, il paraît qu'Afou Keita lave je sa lave, bouche. Je lave ma bouche. Non. Nous tous, on se lave la bouche. Mais quand on dit lave la bouche en africain, on connaît. On dit Afou Keita prend les trucs, elle lave bien sa bouche bien là. Quand elle commence ton nom comme ça, tout ce que tu as là, tu fais tout sortir. Hein? Pourquoi? Ah, mais c'est ce qui se dit. Moi, c'est ce que c'est du mot, il vient te dire. Mais je suis choqué. C'est que les téléspectateurs sont assis au centre de Ramzi, il faut lui demander tant. Lui-même, il est assis et puis la question sort. C'est ça le succès de l'émission. Elle dit, mais Afou Keita lave sa bouche, puis elle va chanter. Là, il n'y a pas amusement même. Quand elle commence comme ça, toi-même, tu ne sais pas ce qui te prend, tu fais sortir le guerre. C'est pas la bénédiction, c'est la bouche, c'est cuidant. Ah, toi-même t'as dit, hein? Toi-même t'as fait sortir le truc. Mais si tu dis que c'est pas proche, c'est cuidant. Sinon, on prend quoi d'autre? Ah, moi je sais pas, hein? Alors, donc là, je suis tellement choqué. Plus que le mot choqué même. Parce que tu sais, quand les choses se disent sur toi, tu entends, tu sais que les gens ont déjà dit ça sur toi. Jamais. Je n'ai jamais entendu. Ah bon? Jamais de ma vie. Ah, ça.
Ah ouais? Ouais, bien sûr. Il y a tout ça là-dedans? Bien sûr. Alhamdoulilah, que Dieu nous pardonne. Et Dieu. Tu sais quoi? De la manière qu'on meurt là, si Dieu nous demande encore de revenir, si tu es encore là, je deviens plus chanteuse. Je deviens même plus africaine. Pas parce que je vais devenir, j'ai mis produit, je vais devenir blanc. Hein. Non. Ça dit, quelque part, quelqu'un même qui ne comprend même pas la langue africaine qui est effacée du monde, là, comme les, où je suis partie là. Australien. Australien, là. Mm-hmm. Voilà. Un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas de problème. C'est la première fois qu'aujourd'hui que je vous assure que j'attends ça dans mes oreilles. Renseigne-toi, ton entourage te dira. Renseigne, peut-être que souvent tu es tellement occupé que bon, tu n'as pas le temps. Comme toi, tu n'as pas ce temps là, de demander, oui, on dit quoi ici, on dit toi, tu n'as pas ce temps là. Mais forcément, ça se dit. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, on va passer sur le sujet. Mesdames et messieurs, on est avec la diva Afou Keita. Une plage musicale. Très clip de Afou Keita. Sababoulé avec Didier Maréchal. Et on revient. Alors, il y a une vidéo qui circule actuellement. Afou Keita est en train de pleurer parce que le Mali a perdu. Afou Keita était en maillot du Mali, tout ça. Voilà, Afou Keita, voilà, les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés de voir leur Afou Keita pleurer parce que le Mali a perdu. On dit Afou Keita est malienne. Être malien, ce n'est pas une injure. Être malien, ce n'est pas de dire que tu as tué quelqu'un. Être malien, c'est, voilà, tu es malien et puis c'est tout, voilà. Donc, pourquoi les gens t'attaque parce que on dit que Afou Keita dit qu'elle est malienne maintenant parce qu'elle a porté le maillot du Mali. Pourquoi les gens t'attaquent pour ça? Jusqu'à les gens, je sais pas, il y a des vidéos, des gens qui interviennent tout ça, on dit Afou Keita, elle soutient pas son pays, elle soutient le Mali qui n'est pas son pays et tout ça. Tu es chez toi. Et puis un étranger vient chez toi. Ton premier bonjour là, c'est quoi? C'est de l'accueil. C'est pour dire bonjour. Mais c'est ça, oui, bonjour. Après, oui. Bonjour là, c'est quoi? Tu l'accueilles, tu donnes de l'eau à boire et tout ça. Non, non. Tout ça là, c'est avant de l'eau. Bonne arrivée. C'est ça, bonne arrivée, ouais. Ceux qui ont fait plateau contre Afou Keita, Afou Keita doit les appeler bonne arrivée. Et je l'ai arrivée. Je n'ai pas envie de rentrer dans quoi que ce soit. Mais c'est une histoire de nation. C'est une histoire de nation. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Tout simplement, je dis pardon à la nation. Mais il y a une chose, je n'ai pas fait pour effoncer quelqu'un. Le contraire, je vous assure que moi je me moquais de mes camarades, mes amis là. Parce que comment on appelle, mon parrain, Lamiara, même le bazin que je porte, Philippe, c'est mon parrain. Voilà, Océane, quand je m'en garais ma voiture comme ça, là, il peut me donner 5 complets, 6 complets, 10 complets. Vrai ou faux? Je lui ai dit, même c'est parce que j'aime effacer. Je regrette pourquoi, au début de mes vidéos, là, pourquoi j'ai effacé. J'ai pris ça pour m'amuser. Je n'ai jamais regardé par là. M'asseoir comme ça, pour la première fois que je me suis assise ici, là, pour regarder le ballon, pénalty, et puis on a perdu là. Tu sais où ils sont partis me prendre le lendemain, la polyclinique. Jusqu'à il y a une dame là-bas, là, elle s'appelle Rachel, Gisèle. Elle me moque. Chaque jour que Dieu fait, quand je passe à la polyclinique, elle me dit Madame Ballon. À cause de ça. Donc, ceux qui sont en train de créer, je vois. Il y a trop de vidéos qui circulent sur YouTube. Il y a trop de vidéos. Ceux-mêmes qui n'ont pas de nom, ils veulent acheter des noms en travers d'Afou Keita. Mm-hmm. Mais ils n'ont qu'à aller chercher les noms.
Afoukaït a cherché son nom, elle a eu son nom. Je vois les commerçantes même, en travers de moi, ils veulent que leurs produits sortent. Pour ne pas dire le nom de quelqu'un. Ils veulent que leurs produits sortent. Oui, elle-même, il allait parler d'elle tout à l'heure, mais après. Tu vois, je vois de, comment on appelle ça, les réseaux qui n'ont pas de nom, en travers moi, ils n'ont pas de vue. Ils viennent s'attaquer à moi pour que, voilà, ça soit activé. Parce que moi j'ai vu une petite vidéo où il y a une tante qui était à côté de toi qui disait hey, ça va aller, faut devenir ivoirienne, va porter ton maillot de Côte d'Ivoire, deviens ivoirienne. Tout ça là, c'est un amusement ici. Moi je t'ai arrêté là. Tout le monde était là. Ma servante, elle peut témoigner. Car elle-même là, elle m'a vu rentrer, elle a commencé à rire. Elle dit hé, Ramatou, je suis ta patronne, tu te moques de moi. Depuis quand je porte maillot de Mali, c'est pas parce que je déteste les Mali. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est des yaou là, ça n'existe plus. Et ils vont prendre ça pour ménager dans le problème de politique en Côte d'Ivoire ici. Mais je suis petit dans ça. Quelqu'un qui n'est même pas parti à l'école. D'après eux-mêmes, je suis lettré. Ça va les servir à quoi? Moi, j'ai porté mon maillot pour, vous, pour pouvoir me moquer de mes camarades. Il a dit, moi, j'étais sûr. À 100%, 200% que la Côte d'Ivoire, ça dit qu'on allait gagner. Parce que ça n'a jamais existé. Que Mali gagne la Côte d'Ivoire. Depuis que nous-mêmes, là, on n'est pas encore nés. Jamais de la vie. Les Maliens même confirment ça. À cause de ça, ils ont traité ma maman de tout. Mon père de tout. Mon Dieu, je viens de Mali. Je suis malien. C'est maintenant que tu es en train de montrer ta vraie nation. Patati patapré. Et ceux qui nous insultaient, pendant les élections à Paris, comment on appelle Château d'eau, là, non? Non, non, mais pas Château d'eau. Comment on a dit Et je les ai vus en train d'insulter mon président, en train de saboter mon pays. Aujourd'hui, c'est eux qui organisent un plateau pour pouvoir me dénigrer. Mais hier, là, j'ai vu qui à côté de ma patrie. J'étais la seule. Souvent la même là. Quand je vais chanter le nom de, je vais faire louange, le nom de mon président là, ça va trouver que les cocos qui sont à côté là, tout le monde s'éloigne de moi. Et ils étaient là, le jour que 60 personnes sont venues entourer ma maison ici. Ils étaient là. Le moment qu'on préparait pour aller au golf, ils étaient là. C'est aujourd'hui, ils vont me traiter de, comment on appelle ça, malienne. Je suis blessée. Intérieurement, je suis blessée dans mon cœur. Mais je laisse ma blessure. Il s'agit de ma nation. Il s'agit de ma nation. Je demande pardon à toutes les autorités. Si je l'ai enfoncé, je les ai enfoncés là. Nous quand même pardonner tous. Je m'en misais. Billet en l'air, je m'en misais. Je n'ai pas fait ça pour bafouiller qui que ce soit. Quelqu'un que tu dis que tu l'aimes là, tu ne peux pas bafouiller la personne. Bien sûr. Moi, j'ai dit Papa Addo Ourie. Mais c'est Papa Addo qui est président de la Côte d'Ivoire. Quand on dit, comment on appelle ça, président là, malgré que je ne suis pas partie à l'école, mais je sais ça quand même. Quand on dit président de la République là, c'est lui qui est notre père. Où vient? Maintenant, quand on dit président de la République, c'est un drapeau. C'est à cause des drapeaux aujourd'hui. On m'a traité de tout. Parce que drapeau, c'est quoi? C'est le maillot. Voilà. Sinon, Afoukaït n'a rien fait de mal. 16 Ivoiriens. C'est moi, j'ai porté maillot. Afoukaït. Je ne savais pas que ça allait tourner autour. Moi, je vous demande pardon.
Pardonnez-moi. Sans rancune. Pardonnez-moi. Ça va plus sur lui pour Dieu. Pardonnez-moi. Je suis votre soeur, votre maman, votre grande soeur, votre petite soeur, votre enfant. Pardonnez-moi. Même Buzz là, je ne cherche même pas dans ça là. Pardonnez. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui en travers de Fafa. Merci pour l'équipe Fafa. Maintenant, mon merci, mon pardon que je vous ai demandé là. C'est ça. Parce que il y a d'autres qui m'ont dit, mais c'est foutaise. Non, c'est pas foutaise. Ne dis pas que c'est foutaise. J'ai dit ça au fond de mon cœur. Je vais m'exprimer aussi en Djoula. Aïssabari. Aïssabari. Mala ou la kama. Tu me tournes là. Nga mayoni sang. Nga sang. Tu me moques là. Un terrible malien ou là. Parce que nous, les gens qui ont été lombés, nous, les gens qui ont été formés, nous avons été lombés. Donc, nous avons 100, parce que nous avons 4 ans là. Nous avons 100. Pour moi, ça se fait. Et quand nous avons été à l'école là, nous avons raté la vie là. Peut-être nous avons raté la vie là. Donc, nous avons été à la vie. Kira kama. Si la Maya est récama, à l'unité sera Maya, que tu comprends tout là. Je vous demande pardon. En quoi pardon? L'émission Fafa, Ani Tché, Ani Baradji, c'est grâce à vous aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils vont savoir qui est Afou réellement. Afou vient du où? Donc, en travers de vos télé, je dis merci à Monsieur le DG. Merci à toutes les équipes qui sont venues chez moi à la maison. Vraiment, je vous dis grand merci. Anitcheo, Anitche, Ala Antonoui, Abe Baraminani, caméraman, journaliste, reporter, reportageo. Abe bara barala, aya barala, alaka noya, ka diama, alaka ya bara, alaka progresse. Merci beaucoup, infiniment. Voilà qui est bien dit de la part de maman Afou Keïta. Je profite aussi pour saluer toute la famille du côté du Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même famille. Voilà, je salue Mamala du côté du Mali. Je salue le roi 12-12 du côté du Mali. J'attends vos invitations parce que je dois venir vous poser les vraies questions du Fafa là-bas. Donc, à bientôt le Mali. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Alors, maman Afou Keïta, une dernière question. Oui, une dernière question. Oui, parce qu'on dit Afou Keïta, tu es tellement star. Que dès que tu portes un pagne net là, ça finit au marché. Dès que Afou Keïta porte un pagne, le lendemain c'est fini au marché. Ça, c'est pas que c'est toi que les dames regardent pour les modèles, pour les pagnes, le pagne qui sera à la mode et tout ça. Mais est-ce que Afou Keïta mange dedans? Mais c'est ça. Il mange dedans, j'ai un atelier de couture. Non, je sais, mais je veux dire, est-ce que ceux même qui font ces pagnes là, est-ce que eux, ils te payent pour que tu passes? Toi, tu fais leur promotion, le savoir. Non. Tu sais, ils doivent te donner de l'argent pour ça. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent dans tout. Peut-être en travers de moi aussi, là, il peut avoir l'air petit peu. Il faut être humble dans la vie. Même si le modèle ne fait pas la même chose comme pour moi, tu n'as pas vu, j'ai changé un peu de look. Quand je porte le complet, maintenant je mets la ceinture Gucci, souvent les autres marques, tout ça, je porte. Mais toutes les filles, toutes les femmes qui sont des mêmes formes que Afou Keïta font ça. Oui. Faut pas avoir complexe. Je suis même pas complexée. Donc ceux aussi qui veulent prendre et marcher par rapport à ma peau, je leur dis merci. Les clientes, allez-y chez ma soeur Lolo Beauté. Pour aller acheter ces produits, vraiment. Et parler. Allez-y payer. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Comment Paris, tu as pris, comment tu as pris ce qu'elle a dit sur toi là? Comment tu as pris ça? Quand on fait les trucs comme ça, là, même si je ne suis pas amie avec la personne, on m'identifie pour que je puisse voir.
Mais je n'aime pas regarder. Mm-hmm. C'est les gens qui me disent. Parce que je connais mon cœur quand même. Mm-hmm. Peut-être que j'ai eu ce. Ça ne va pas supporter. Je vais dépenser encore pour aller payer les médicaments. Oui. Ma chérie, toi-même, tu as dit que tu aimes Afouketa. Quelqu'un que tu l'aimes là. Tu vas aller aussi trouver que Afouketa aussi là. Elle t'aime. Je t'aime bien. Pour ceux qui veulent payer les produits de ma soeur, allez-y. À Paris, elle vous a donné le numéro. Pour ceux d'ici là, ceux qui ont besoin de payer ici là, elle vous a donné le numéro. Allez grouper. C'est pour ma chat de ma soeur. Elle représente chat. Parce qu'elle a dit quoi. Allez, bisous à toi. Gros bisous. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec la diva Afouketa qui a bien voulu nous recevoir dans son salon et tout. Merci beaucoup de nous suivre. Merci de venir sur notre page Parfois officielle. Voilà, vous avez William Santiago, Soko Soko à la caméra. Post-production, on appelle Madoché. Roland Lebenguis réalise cette émission. Merci à tous et à toutes. On est ensemble. C'était Parfois avec le Daeré. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.